Ouais, non, non, mais là, ça devient chaud. Heureusement, il y a quand même quelques hommes politiques qui s'occupent des vrais problèmes. Vous voyez, comme Manuel Valls. Oui, il s'occupe de Dieudonné, oui. Si, 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 dans la tête de Manuel Valls, le problème principal des Français, c'est... Si tu veux, pour lui, en fait, les gens se réveillent le matin, ils vont à la boîte aux lettres, comme ça, ils ouvrent leur courrier, ils font « Alors, comment ça, 22 000 euros d'impôts? Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Oh, mais Dieudonné aussi, merde !»« Mais non, ça se passe pas comme ça, non !» Wow, bien sûr, c'est le moment du spectacle, je vois quelques personnes qui sont comme ça en train de se dire « Est-ce qu'il est pour Dieudonné ?» Mais non, mais cette question n'a aucun sens. On peut pas être pour ou contre un être humain. On est pour ou contre des idées, on est pour ou contre une politique, on est pour ou contre un concept, on est pour ou contre une idéologie. Mais l'individu, l'être humain en lui-même, est infiniment riche et complexe. Il est fait de nuances, on peut pas être pour ou contre. Si, aujourd'hui c'est obligatoire. Il y a le vrai, le faux, la vérité, le mensonge, le progrès, la haine, la lumière, mon trou de balle. Ah, tu dois choisir. Mais ça, c'est pas ce qu'on vous fout dans la tête. Attention, c'est ce qu'on fout dans la tête de vos gosses. Ouais. Programme de l'éducation nationale signé Najat Vallaud-Belkacem, 2016, pour l'éducation des enfants de 2 ans. Belle plaisanterie, vous vérifierez. Apprendre aux enfants dès l'âge de 2 ans à effectuer une distinction nette entre le bien et le mal. Nietzsche, va te faire enculer. Le bien et le mal, une distinction nette. Dans la Bible, Dieu lui-même n'y arrive pas. Mais le Parti Socialiste, c'est une religion, ce truc. C'est une secte. Grand gourou en chef, Manuel Valls. Les ministres, ses apôtres. Va, Najat, prêcher la bonne parole. Ah non, franchement, autant, bien sûr, je ne suis pas pour ou contre Manuel Valls, je ne suis pas pour ou contre Dieudonné, mais je suis quand même obligé de saluer la performance de l'artiste. Non, pas Dieudonné, Manuel Valls. Non. Dans un pays de 5 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, réussir à faire 18 mois sur la quenelle, donc pendant un an et demi, hein, dès qu'il y avait un micro, Dieudonné, ta gueule. Heureusement qu'on a eu les attentats terroristes pour que Manuel Valls commence à parler d'autre chose. Il n'aura jamais plus jusqu'en 2017. N'empêche que de vous à moi, sincèrement, je m'arracherais un bras pour revivre le jour où Manuel Valls a décidé de monter cette enfumade. Le jour où Manuel Valls a décidé de lancer la traque Dieudonné. Tu sais, il est arrivé au ministère comme ça. Il disait, ah c'est con, con. Mais non, mais je suis con, c'est une scène. Non. On peut le vivre ensemble, on peut le vivre ensemble, on va faire un sketch. On va revivre ensemble le jour où Manuel Valls a décidé de lancer la traque Dieudonné. Alors, je sors, voilà, et quand je re-rentre, je serai Manuel Valls. Je peux comprendre si vous n'applaudissez pas. Si, 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 au showcase, j'ai eu un lancer de babouche. Ça arrive. Donc, je sors, je reviens, je suis Manuel Valls, réunion au ministère. Thank you.